Nous sommes sur un site classifié paysage culturel par l'UNESCO, la montagne du Morne. Une montagne qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Nous partons à la découverte du Morne avec des rangers du département des bois et forêts du National Park and Conservation Service. Ils savent où se cachent les plantes endémiques les plus rares et inaccessibles. Le terrain est difficile, mais chaque sentier débouche sur une vue magnifique. À la découverte d'une faune et d'une flore très riches, nous croisons les pas des premiers hommes à avoir vécu ici. C'est une belle aventure. Attachez vos ceintures, il y aura de l'aventure et du dépaysement. Et surtout, prenez de l'eau. Allons-y. Les gorges de la rivière Noire, sur lesquelles veille le piton de la petite rivière Noire, la plus haute montagne de l'île. Ces gorges sont sans doute ce qui nous rapproche le plus de la forêt qui recouvrait Maurice il y a 400 ans. En 1768, Philibert Comason pose les bases du premier herbier de l'île. De la forêt qu'il a arpentée pour établir un inventaire des essences, il n'en reste aujourd'hui que 2%. Mais elle est encore riche d'espèces, certaines de plus en plus rares. En 1997, Wayne Page et Gabriel D'Argent recensent 680 espèces, dont 311 endémiques. Ils déterminent que la forêt du Morne doit être impérativement protégée. Elle abrite 92 espèces indigènes, 5 espèces d'oiseaux exotiques. Escalader la montagne est faisable, mais ce qui prendrait entre 5 et 6 heures à un rompu de l'ascension ne demande que quelques minutes en hélicoptère. Les missions d'observation des bois et forêts demandent plusieurs allers-retours. Il faut y déporter une dizaine d'hommes et des centaines de kilos de matériel. Les équipages sont habitués à ce type de mission, mais il ne s'agit pas de routine, loin de là. Car atterrir et décoller sur quelques mètres carrés au bord d'une falaise, parfois par une météo capricieuse, ce n'est pas une mince affaire. Et si en plus, il passe des nuages... Une fois arrivé là-haut, il faut s'organiser. Le hélipad devient le camp de base et l'abri du groupe. $1 million, c'est ce que vaudrait cette vue sur l'ouest et le sud de l'île. Le coucher et le lever du soleil sont des bonus. De quoi vous rendre immortel, comme cet hélichrysome qui s'accroche à une roche friable. Notre premier objectif, rejoindre les flancs de la montagne, là où se trouve la première cave habitée par les marrons et découverte en 2002. Nous sommes à 558 mètres d'altitude, il faut descendre 200 mètres. Il nous faut d'abord passer par une forêt de Tekoma avant de déboucher sur une première falaise. Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Mmh.
oui. Super, super. Là. Le lagon insiste, mais il est hors de question de se jeter dans le bleu de la mer indienne. La passe de l'ambulante n'est jamais facile pour les marins, même aux commandes de bateaux à moteur. Dans le temps, elle permettait aux négriers d'avoir accès à la côte, une sorte de porte d'entrée si vous voulez. Fenning et Bert, le cap du poison, c'est le nom donné par les marins hollandais à ce monolithe de basalte. Le nom Morne-Brabant figurait déjà sur les cartes dès 1753. Il faut continuer à descendre. Le terrain réserve des surprises, la forêt ne se laisse pas faire. L'homme n'y est pas forcément le bienvenu. La falaise est peuplée d'immortels et on peut voir sans difficulté des pailles en queue au repos dans leur nid. Nous arrivons finalement à la cave numéro 1, cachée et protégée par un bloc de basalte. Elle n'a été visitée que par les archéologues. La pause sera de courte durée car il faudra remonter quelques dizaines de mètres plus haut, là où se trouvent les autres caves. Pendant que nous nous assurons en vue d'une autre descente, nos explorateurs cherchent par où passer pour atteindre notre falaise. Nous sommes dans une de ces grottes qui ont donné tout un sens aux légendes qui entouraient le monde depuis très longtemps. Dans cette grotte et dans celles qui sont en bas et qui sont très difficiles d'accès, on a découvert le 8 septembre 2002 des artefacts qui, lorsqu'on les a datés, ont prouvé que des hommes ont vécu ici. Quand l'équipe dirigée par M. Popia, et M. Tizou et les trois camarades encore, nous venons la montagne pour guetter 16 bandes plantes. Nous découvrons une première cave en bas dans le monde. On appelle ça cave numéro 1. Donc, quand nous continuons nos choses, nous avons une expédition, une prochaine expédition, nous refaire aussi, nous faire un record, un survey, toute une plante qui est là. Pour mes gars, nous trouvons une cave. Donc, nous rentrons là-dedans. Quand vous avez découvert la grotte là, que vous avez trouvé là-dedans? Et quand nous trouvons, nous trouvons une forme, nous trouvons une rose bien installée en haut, et un mur, et un muré, et il y a des gens qui mettent la main là. Normalement, nous ne pouvons pas fouiller. Mais nous connaissons, nous avons l'histoire du monde, nous avons fait un marronnage. Donc, ils étaient intimement liés avec marronnage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de traces dans les archives de Maurice lors de la présence des marrons sur le monde. Et il y a un voyageur, Wilkinski, etc.
nous avons un rapport de la police du marronnage qui capture un marron dans les alentours du monde. Et c'est un esclave qui est emprisonné, exécuté, etc. Donc ça nous tient. Mais ce qui nous pas tient, c'est exactement qui côté ban marron tu peux vivre le monde. Est-ce qu'ils ont-ils au sommet? Est-ce qu'ils ont-ils sur le flanc? Et pas qu'il n'y a aucune trace de ce ban marron-là. Il n'y a aucune structure qui ne restait qui visible à l'œil. Et donc, ça, tu restes toujours un genre de. Tu vis un petit peu un mythe. Et dans le village du monde, et ben, le village aux alentours, la Golette, que tu auras faim, finit toujours il y a une tradition orale qui est bien riche. Lors le marronnage, lors ben, dimoun, il y a des gens qui peuvent dire que tu as un son le soir, son des tam-tam, etc. Alors, c'est ben, marron, ben, l'esprit ben, marron, etc. Et donc, jamais tu n'as une preuve tangible. Et un jour, quand le ministère de l'Agriculture, à l'époque, il sonne nous, et ils disent qu'ils ont fait une découverte, mais ils n'ont pas su exactement qui était ça. Par coïncidence, ils ont fait un projet d'archéologie du marronnage. Et nous avons fait M. Chaudry, l'archéologue à l'époque, avec l'équipe du ministère de la Culture, et elle guettait. Et nous sommes tous choqués par ce qu'ils nous trouvaient. C'est une présence indéniable de la présence humaine. Il y a un rocher qui est placé d'une certaine façon. Il y a une couille qui est sauce. Il y a un mur qui est construit à l'entrée des caves, etc. Donc ça, c'est la première fois qu'ils nous trouvent une preuve tangible de présence humaine sur le monde. Et ça déclenche un projet qui nous continue pendant quelques semaines. Et nous découvrons les autres la cave ensemble avec le ministère de la Culture qui montrait encore d'autres la cave avec la présence humaine. Donc nous découvrons des ossements. Donc il y a ben du monde là-bas, nous pensons que c'est un esclave marron qui est cuit mangé là-bas parce qu'il y a une trace de charbon dans le sol qu'il y a là-bas. Et ils ont fait lui au fil de plusieurs années. Ce n'est pas un événement, une fois ils ont allé, ils ont pris, ils ont sorti, non. Mais c'est une couche successive de charbon. Donc ça veut dire qu'ils ont allé là-bas, ils ont resté pendant un bon bout de temps. Et donc ça, c'est une preuve tangible qu'ils vivent là où le monde et qu'il est possible de vivre là où le monde. Et ils ont mangé là-bas, ils avaient les eaux, etc. qu'ils trouvaient. Après, nous commençons à faire une fouille un petit peu plus approfondie des cartes et nous découvrons qu'il y a les autres indications qui nous peut-être négligé avant. Par exemple, il y a la rivière, il y a les traces sur une carte, il y a la rivière du Monde, il y a l'endroit qui est un peu plus plat. Et nous réalisons qu'il y a une carte moderne qui nous sent du monde, pas si au fait très précis. Nous avons montré le monde d'une autre façon qui nous pensait pas si pendant la vie, mais au fait qu'on va là-bas, on découvre qu'il est assez plat, il est possible dans la vie. Et donc, il donne beaucoup plus de vérité à la tradition orale et au peu d'archives qu'il y a. Mais nous avons besoin de faire une vraie survey complète de la montagne du monde pour guetter quelles zones vivent, qui zones plantées, qui zones mangées, comment on arrive sur le sommet. Tout ça, c'est encore un mystère pour nous et il est bien important de continuer la recherche. À toi. La tradition orale autour des marrons a fait de la montagne du Morne le symbole de la souffrance des esclaves et de leur lutte pour la liberté et de leur sacrifice. Côté la nature et un côté la mer différent. Nous fions que nous, que ce village qui nous habitait là, nous fions, nous. Pour l'île Maurice, nous fions beaucoup. Et la côte. Il vient de moi, ce que tu pensais, moi, quand on village a pli à Muranco, pareil, il vient plus joli. Les là qui, quand on a pu faire sa patrium sur Zala, il est plus joli comme ça. Nous grandissons, nous, déjà, nous explique nous, il y a une côte d'esclavage, tu sais, les cours, mais depuis le montagne.
Depuis là, on a dans le cadavre de cerveau. Ils ont remplacé. Dans le cadavre de cerveau, comment dire. Dans la tête, quand ils tombent comme ça. Ils ont remplacé. Là, nous avons nettoyé, nous avons trouvé dans la tête du mot. Oui, mon trouvé, mon cas, mon aussi. Il y a même chez moi, mon cas, mais nous, il côté face, l'autre côté, mon connaît, côté ça a été. Mais il y a ce que nous grandis, mon fin passé. Nous, nous en, on dirait, nous, nous pas nos enfants, pas ça, mais il y a là. Vraiment. Par exemple, une casserole, et non, pas tellement ban basal, cela pas tellement. Tout ça, nous on grand, grand bâtiment. C'est ban du monde comme ça qui nous rend ça, ban grande église, une taille, on s'en carré. Aujourd'hui, on rangé. Et on imagine ça, ou même on pense. Je ne parle pas de ça. Je suis un peu. Même au Ghana, c'est comme tout. Juste, moi, j'ai un seul garçon qui est allé. Il appelle Pierre, Manigom, son frère. Il est allé, il connaît les petits-enfants, les founets. Il montait, il est allé, il dit oh, là, ça habite là, il y a un grand bassin. Mais la vérité, quand nous tirons en bas là-bas, on appelle ça en bas, on appelle ça tout signé. Là-bas, on reste là-bas. Avec là-bas, la pluie tombée. Montagne, monde débordé. De l'eau fan dans le grand cimier partout. Avec là-bas, il y a de l'eau sur la montagne. Mais après ça, nous boit de l'eau somade. Vous comprenez? De l'eau là, qui somade, mais nous inhabitons. Nous avons déjà traversé la place qu'appelle Belleville. Là, on allait en esclaves, c'est l'écho. Les esclaves sont de la montagne. Là, nous avons traversé, nous avons passé. On trouvait qu'il y avait une place qui était un petit peu offre. Et qu'il n'est pas normal même. Comment dire, on passe là-bas, on sentit, comment dire. On sentit, comment dire. Ou pas dans les cadres. Ou senti moi j'ai une frisson étant mal. Parce qu'il fait au bon grand-parent, si j'ai ou l'aime, maintenant c'est dégo, étant aussi ou passé ou de mazine li. Le village n'a pas oublié son histoire, loin de là. Elle est désormais sur la route des esclaves. Le projet, nous l'avons mis en place en 2004, même avant. On avait réfléchi avec des responsables de l'île Maurice, de Madagascar, les autorités politiques de ces pays. Et puis, on a commencé à Madagascar. Et on s'est dit, on a demandé au gouvernement respectif de prendre en charge le projet. Ce qui fait que le gouvernement du Mozambique, le ministre de la Culture du Mozambique, a pris en charge le projet. Aujourd'hui, le ministre de la Culture de l'île Maurice, le ministère, le gouvernement mauricien, a pris en charge ce projet. C'est, voilà comment ce projet a été mis en place avec des artistes. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement un artiste du pays, ce sont des artistes de la zone. Là, il y a une réunionnaise, Dolène Kouatis, qui a participé, un malgache, Rabé Mananjar, qui est un excellent sculpteur, qui a participé, et puis je crois c'est un monsieur Jean-Michel Autantot, qui est mauricien, qui lui a réalisé cette stèle qui sera au centre. Hein. Ce sera vraiment la mémoire mauricienne là, qui dit, voilà, nous sommes une société multiraciale et nous voulons l'harmonie pour notre pays. C'est l'objectif de l'UNESCO. Ah, je pense que c'est l'objectif de tous les Mauriciens. Et dans la route de l'esclave, il y a aussi la route du marron. Donc le marron, il termine ce voyage, disons, au monde, mais il commence quelque part. Donc nous sommes bien contents qu'il y ait la route du marron, qui identifie toute la route que le marron il prend à travers les bois, les forêts, les montagnes. Quand il sort, les plantations, quand il sort, il y a beaucoup d'exemples de ban marron qui sont capturés et qui donnent beaucoup de détails. Donc, tout ban différentes places que zone cassette à travers Maurice. Donc, il est bien important d'identifier toutes ces places-là, loin de carte, faire des surveys et tracer la route du marron qui ban mauricien pour capable suivre sa même pas, suivre les pas du marron. Et qui permet nous vers le monde. Et qui permet nous vers le monde, bien sûr. Mais il est besoin de dire que. La région de Rivière-Noire, c'est quoi, le haut lieu du marronnage à Maurice. Et aussi les caves, il y en a les caves de Plaine des Roches, qui est aussi bien, bien important. Et les bois de la forêt de Flak, Midlands, etc. Juillet 2008, le site est classé patrimoine mondial par l'UNESCO sous le nom de paysage culturel du Morne. Les Payankeux n'en finissent pas de célébrer cet acquis. Cela fait longtemps qu'ils ont compris ce qu'ils doivent à la montagne. Nous sommes sur le versant sud-est du Morne, un point stratégique pour observer tout le développement hôtelier qui a eu lieu sur cette partie du Morne vers ce qu'on appelle la pointe sud-est, autrefois aussi appelée la pointe des Hollandais.
On peut aussi voir derrière Trouchenie, c'est de là que devait partir le téléphérique qui nous aurait permis de découvrir tout ce magnifique spectacle. Le projet a été abandonné. Ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est d'observer ce ballet extraordinaire de plusieurs couples de paillanqueux. Ils s'amusent depuis plusieurs minutes à nous survoler. C'est vraiment exquis. Voilà, maintenant on va aller découvrir toute la biodiversité qu'il y a sur cette face de la montagne. Un des affaires qui frappe un kiken quand il passe sur la tête carrément, c'est découvrir ça, la forêt qu'il y a là. Est-ce qu'il y a une vigne là une première fois pour faire des travaux? Est-ce qu'ils ont aussi si appris qu'ils nous? Définitivement. Parce que quand nous faisons une première survey qu'ils nous font, il y a 92 espèces indigènes et endémiques sur la montagne du monde. Et ils vont faire ressortir la troquetia, qui est la fleur nationale. Ça se trouve endémique dans sa région-là. C'est-à-dire qu'ils ne poussent que ici, naturellement. En même temps, nous trouvons qu'il y a 16 espèces déjà envahissantes qui sur la montagne. Je pas un danger, excepté le tecoma qui est un gros danger. Si nous ne pas faire danger d'ici quelques temps, nous avons une grande chance, peut-être nous retrouvons avec un écosystème normal, comme nous venons dans la forêt tecoma, et nous perdons sa richesse. Là. Il y en a trois boutiers là-dedans, trois seuls de pousser. Ce qui est joli là-dedans, c'est un peu grâce à ce travail que nous avons fait en 2002, quand nous commençons. J'enlève un exotique, une plante exotique, qui nous donne l'espace à une plante exotique, nous pouvons tout ça. Un peu sur fruits, hein, mais vous pouvez régénérer tout naturellement. C'est un peu difficile. Nous pouvons gagner sur gros, nous ne pouvons pas trouver, nous, ici. Ouais. Nous pas trouver. On rappelle toujours qu'il y a une fierté nationale, c'est ça, bouquet bananier. Les travaux de conservation ont commencé en 2002, pour l'occasion de l'année internationale de la montagne. À partir de là, nous faisons des travaux de grande envergure, quand nous nettoyons un petit peu, nous faisons une sorte de management dans certaines sensitive zones sur la montagne. Quand nous faisons enlever beaucoup d'exotiques species, d'espèces exotiques qui sont envahissantes et qui viennent danger pour nos patrimoines de la biodiversité. D'accord? Et suite à ça, nous faisons aussi faire relever des plantes et types de végétation qu'il y a ici. Donc, sur la montagne du monde, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 types de végétation qui sont dans un périmètre assez rapproché. Premier, c'est la végétation de la falaise même. Right? Quand nous avons la plupart la troquetia, la fleur nationale, et aussi l'hélichrysum. Ensuite, tout au bord de la falaise, quand nous étions, là-bas, c'est un deuxième type de végétation. Et troisième type de végétation qui nous vient, c'est cloud forest. Là-bas, la végétation, là, nous trouvons beaucoup lichens, barba papa, partout. Et nous avons aussi des orchidées qui poussent là-bas. Quatrième type de végétation qui nous vient, c'est un lowland forest, un dry forest, que nous trouvons la plupart des espèces qui poussent dans une région sec. C'est tout ça dans la même montagne. Et le cinquième type de végétation, c'est une place que nous avons la forêt tecoma. Le tecoma, c'est une espèce envahissante qui envahit sa area entièrement. Et voilà, ça, le cinquième type de végétation qui nous vient. Est-ce qu'il y a les autres montagnes qui sont à Maurice et qui ont 5 types de végétation? Non, très rarement.
très, pas dans tout le montagne que nous avons 5 types de végétation, peut-être il y en a 2, il y en a 3. Mais 5 types de végétation ont aussi un close perimeter, comme on nous a dit, il est relativement unique à Maurice. Et surtout que la plupart des gènes qui nous viennent, c'est la plupart des vertus médicinales qui nous viennent ici. Et je pense que si aujourd'hui qu'il y a une évidence qu'il y a un esclave marron qui reste là, il est fort probable qu'il y ait un service à la végétation, là, sa biodiversité dans la flore qui nous est là, comme médicament peut-être pour soulager les bonnes maladies, la fièvre, tout ça. Suite à ce gros travail qui nous fait, nous désherbons un peu ça, sa région. Tournez, si nous voyons ce travail, ça, tu te souviens pas de moi, carotte comment? Tu te souviens de comment, pour tout vieillir, pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Et là, nous avons fait des choses. Ça se fait nous pour un peu de jeunes plantes qui régénèrent tout naturellement. Il y a une corriging. Ouais. Et toujours ça, nous fait ça aussi, il y a une chose pour nous. Si tu peux venir un petit peu, deux semaines, trois semaines après, nous prenons la graine. Je me souviens de ça. Tu vas rentrer la graine. Oui, il y a des bonnes roches, des ponches qui nous viennent, des ponches qui nous viennent. Tu vois potium. Tu vois que le fondateur. Nous, il y a un gros danger qui peut attendre nous là, hein, ça guette là. Ça vieillit là. Ça vieillit là. Dans sa région là, dans sa région à montagne, là, nous avons une fougère et puis une orchidée. Là, il manquait qu'il y ait une orchidée. Vous connaissez qui est intéressant là-dedans? Là, nous avons une région. Ça sous-bois là, peut-être ça. Oui, oui. C'est qu'il y a un tracas seulement, c'est avec le changement climatique. Mon père, peut-être nous pas arriver un moment que nous allons trouver ça dans l'affaire là. Pour bien faire quelque chose. C'est un frais très intéressant dans l'eau sale montagne là, qui nous a un genre de cloud forest aussi, parce qu'il y a ça. Regarde ça, Baba Papa. Baba trouve dans une région où il y a un cloud forest, qui n'y a pas passé l'eau ça. C'est ça qui favorise un petit peu ça, l'habitat de Van Okide. C'est plutôt un indicateur, non? Indicateur, oui. Un indicateur. Ah. Mais mon père, peut-être nous blinder un goût, comment nous faire préserver ça? Oui, ça, oui. Mon père, on a le changement climatique. Oui, changement climatique pour moi, pour la même chose. C'est point intéressant, c'est bon. Oui, point intéressant. Au vu de ce que vous pouvez dire, nous, est-ce qu'il est bon qu'il nous installe une sorte de station de mesure qui est capable de faire de relever régulièrement l'eau, le changement climatique que vous pouvez mentionner ici? Oui, il est bien bon pour qu'il nous ait une station que nous sommes capables de réglementer, suivre un petit peu de température et le climat. D'ailleurs, nous finissons de commencer dans les autres stations, comme Mont Vert, comme en Pau de Mils, dans les autres régions forestières. Et c'est bon ici parce que nous pouvons remarquer qu'il y a un problème de changement. Il y a un plan qui, avec une chaleur, ne pousse plus bien. Vous remarquez, il y a une régénération. Tandis qu'il y a un plan qui, surtout dans une cloudy forest, cloudy areas, par exemple, qui nous demande, ça, c'est une plante bois maigre qui pousse dans bois haute altitude. Et mon tronc, comment dire, d'un état un peu pas trop healthy. Hein. Donc, et puis, nous pouvons remarquer qu'il y a une orchidée qui pousse là-dedans. Peut-être dans les jours à venir, avec le changement climatique, il est capable, sur régénération, il n'est pas pour. Il n'est pas pour trop. Fruitful. Hein. Il y en a une ruche qui n'est pas trop loin. Il y en a une ruche qui n'est pas trop loin. C'est même qui n'appelle pas Mouzako là. C'est quand même assez incroyable sa quantité type de d'orbes qu'il nous trouvait ici. Ce qui est normal qu'il y ait un petit périmètre comme ça, nous trouve un bois manioc, un bois sirop, un bois loustop et cohabiter ensemble comme ça. Normalement, nous peinons ce type de végétation qui cohabite tout ensemble. Parce que normalement, si nous prenons l'exemple que ça c'est un bois lousteux, c'est un sous-bois qui pousse dans une région humide, haute altitude. Et tandis que ça c'est un bois sureau qui trouve dans une région côtière. Donc côtière, et puis là-haut ça trouve la différence qui diffère. Il y en a plusieurs. Par exemple, ça c'est un bois manioc qui trouve dans haute altitude. Et il y a un bois qui trouve dans moyenne altitude. Alors tout. Fin mélangé, aujourd'hui vous pouvez remarquer que c'est une forêt riche, unique de l'eau plateau du monde.
Oui, il y a aussi une bonne fleur comme ça, dans la famille Lianjot. Oui, en place, tu peux trouver une. Comme tu as la monnaie, tu peux te savoir, papa. Ça, c'est un cloud forest, ça. Ça donne l'impression que là, vous avez remarqué l'après-midi qu'il y a un nuage qui peut traverser l'eau, sa montagne là. Et ça qui me facilite sa pousse là. Mais c'est un cas, comment dire, bien étudié, même ça miracle qui est arrivé, ça plateau là, comment dire. Ben, c'est vraiment un miracle parce que vous trouvez ça, le fleur argenté là. Ça fait argenté, après ça dit Stéphanus populifolius, qui trouve les pousses dans une falaise montagne, le plateau montagne rose même. Et ici, nous avons une grande quantité, c'est une grande colonie de Stéphanus. Et c'est drôle, de Stéphanus, il y a un bois de sirop, il y a un bois de rivière, enfin différentes altitudes, une forêt différentes altitudes, tout une plante pousse dans une tout peut cohabiter. Dans un seul superficie. Ils ont tous réfugiés ici. Oui, on fait réfugiés. Hein, tout... Ce système-là est unique, ouais. Hein, unique, et qui fait, oui. Fait ça fait les vignes. Richesse de sa biodiversité qui est dans sa montagne. Ce qui faut intéressant, il paraît, comment dire, tout ce même plan-là, qui se trouve un peu partout dans les îles en déo, fin chassé par les. Par les gens, comme nous. Il fait culture de canne, tout ça, il pousse, pousser. Ils ont dit que ça devient un centre de refuge pour ça, ce plan-là. Et maintenant, c'est à nous tous de protéger. Depuis que nous sommes sur le Morne, nous cherchons la boucle d'oreille la plus rare du pays, la Trochetia boutoniana. Elle n'a peur ni du vide, ni du vent. Avec moi, nous trouvons ici, c'est une des richesses de la montagne-là, c'est le Trochetia boutoniana. Le bête qui nous met dans la montagne-là, nous paraît trouver une fleur. Et il y a un peu drôle qu'à cette époque de l'année, nous paraît trouver une fleur. Et ça, bien chanceux de nous pas. Nous récitons trouver une fleur et plus joli encore, nous récitons trouver un pollen infini, déjà infini, dispersé, l'eau, un pétale qu'il nous peut trouver, un peu jaunâtre tout autour. Et ça fait une cause principalement par un insecte, surtout abeilles parfois, et aussi nous gagnons un lézard aussi qui vient prendre ce nectar au fond de la corolle. La preuve, il a déjà trouvé qu'il y a un pollen infini sorti dans ce stamen et il vient poser directement l'eau van corolla dans beau là et ça aide lui pour le pose le stigma là finalement l'autre femelle porte et ça finalement engendre la grain qui est capable propager et qu'ils ont dit nous peut trouver tout au long de sa falaise surtout falaise et il y a une multitude de Trochetia boutoniana et qui donne nous un peu courage pour nous connaître qui sa plante là au moins l'in restaurée. Mais sa plante-là donne beaucoup de peine pour lui casser, comment dire. Il prend beaucoup la peine. Et c'est ça la vie d'une plante endémique, d'une plante indigène. Je débatte l'eau, Right? Alors, je finis de développer une qualité, une caractéristique dans l'eau pour lutter contre tout l'extrême qui est capable d'être dans la nature. C'est-à-dire, du vent, la brise, déjà, avec la brise, là, avec sa peu d'eau qui est là, je suis capable. Service à Tigin de l'eau là pour être capable de survivre. Mais qui fait ce temps de route de place en falaise pour être capable de survivre justement? Peut-être qui dans le passé finit là une intrusion, un djimoun, un l'homme. Vous connaissez quand l'homme est passé dans Maurice, je ne fais beaucoup de désastres, beaucoup de dommages à nos flots. Peut-être qu'il est capable de tenir aller bien longtemps partout. Mais ça, c'est une place qui ne parle pas de récit être accessible à
à l'homme, c'est un peu pourquoi sa plantaine réussit à survivre. Il peut réussir à survivre dans une place assez isolée. Correct? Et c'est un qui représente nos fleurs nationales de nos jours. Il gagne le parfum du pomme rainette, c'est-à-dire le pomme vert. C'est un plant indigène, on appelle le bois de rainette, qui ici, il y a une population qui est assez viable. Et sa plante-là, on gagne un petit peu dans la falaise Cordegode, un petit peu dans le Mocarange et un petit peu dans le Zedret. On peut essayer de ramasser un maximum pour amener dans le centre de propagation. Et voilà la graine. Germination pour faire pas facile parce que là nous sommes dans son habitat pour essayer de propager ex situ. Alors le succès n'est pas 100%, mais donc nous ramassons maximum pour qu'il nous ait un peu plan source du monde. Et un jour nous allons servir pour reboiser, peut-être le monde même. En cas où il est menacé de disparition. Oui, et il y a un plan indigène qui faisait faire quelque chose. Sinon, on est capable de disparaître. Nous travaillons dans le centre de propagation à Robinson, qui nous essaye de propager maximum de plantes, ouais, maximum toute une espèce. Quand nous avons un seed qui est ripe, nous ramassons pour propager et nous servir. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup ça pied là, l'eau, le monde? Le monde, à Londres, moins de 100. Moins d'une centaine de bois de rainette qui nous fait recenser. Ouais. C'est un peu quand même assez rare. Oui. Il y a ces rangs. Le Psidia lithospermifolia, une baume que l'on trouve surtout dans des régions sèches, exposées comme la montagne du Corps de Garde ou celle des Trois Mamelles, c'est un arbrisseau très ramifié. Nous sommes dans le sud du plateau du Mône et là, nous avons la chance de trouver trois espèces qui vraiment les uniques, les bien rares et les caractéristiques de la montagne de l'île Maurice. Nous avons un bois chèvre qui je viens de trouver, qui est une feuille argentée, qui est très très rare, une plante médicinale. Et là, nous trouvons une autre qu'on appelle ça Acalypha reticulata. Et après, nous pouvons montrer où une autre qui nous appelle un hibiscus fragilis. Et ça, tous les trois espèces-là, les moins que 50 individus à l'île Maurice, qui veut dire dans le monde entier. Et si je prends ce individu-là, oui. Moi, je mets ça dans les plaines Willem, c'est une autre place. Est-ce qu'ils vont pousser? Oui, ils vont pousser. Nous faisons des efforts. Depuis longtemps, nous faisons des efforts pour propager ce plan-là. Et il y a un plan qui nous réussit, mais la Mancanius, la sénéchaux de la Mancanius, je veux dire Saint-Bois-Chèvre, il y a un plan qui est bien difficile à propager. Il n'est pas aussi facile pour propager. Mais tandis qu'il reste comme Hibiscus fragilis, nous avons réussi, nous avons à peu près 200 plants déjà dans nos pépinières. Alors, quoi nous trouver aujourd'hui? Aujourd'hui, nous trouvons au sommet du monde avec une région où il y a une grande densité de plantes endémiques et indigènes. Et mon cas, il y a d'autres qui nous prennent la peine. Nous commençons un travail en 2002 de désherbage dans cette région-là, loin une superficie de 1 hectare. Et au fil des années, nous continuons ce travail-là. Et aujourd'hui, nous trouvons tous sur les fruits. D'ailleurs, comment nous trouvons là un hibiscus. Moi, je connais, nous avons 5 hibiscus qui sont endémiques de Maurice. Parmi eux, il y en a une qui appelle Fragilis. Et normalement, cette année, nous nous trouvons, avant qu'ils nous cheminent dans le monde, nous nous trouvons dans la montagne Côte de Côte. Et une deuxième place que nous trouvons Fragilis dans l'état sauvage, c'est ici. Et quand nous nettoyons ça, il y en a juste un ou deux. Mais aujourd'hui, quand nous pouvons faire un relevé aujourd'hui, nous avons plus qu'une quinzaine de bonnes plantes qui poussent tout naturellement.
un grand plaisir quand nous faisons un travail de, on appelle ça les in situ conservation, c'est-à-dire la conservation sur le site lui-même, c'est-à-dire nettoyer, désherber et faire un petit prélèvement de cette plante-là et remettre en place. Ça veut dire aider la plante pour se propager un peu plus et nous trouver qui ça finit propager avec grand succès. Alors, comment nous trouver l'os azobla? Nous avons une série de différents organismes qui vivent l'os apiela. Ça veut dire que déjà, sa piela déjà un écosystème pour sa ban multitude de plantes qui nous sont là. L'organisme qui nous est là, commencer par la mousse qui est déjà là. Avec nous montons un peu en haut, nous avons un lichen. Montons un petit peu en haut, nous commençons avec une fougère. Alors, ça, c'est un néprolepsis. Right? Dans un petit peu en haut, plus facile, nous montons en haut, là, nous avons un silotum nudum qui déjà peut faire préparer sur un spore qui peut trouver comme un petit bulbule jaune là. Et le troisième s'appelle le palmatouche. Déjà l'eau là, on trouvait qu'il y a une diversité de sa bonne fougère et ben les autres plantes qui trouvent l'eau là. Après, une autre affaire encore quand on devait monter, puis une affaire intéressante qui nous est là, une faubouille. Une vieille, il y a quand même 400 ans. Une chose là, un bois drone là, ça, ça glisse. La prochaine fois quand nous venons, nous suivons, bien, bon. Alors ça pied là, nous faisons beaucoup d'efforts pour nous recevoir une scala encore une fois. Si vous comprenez bien, il y en a l'âge en fait de la colonisation de Maurice. C'est Olivier. Oui, c'est vrai. Parce que ça, un des plants qui a vécu, enfin, un âge qui trouve la colonisation, période hollandais, français, anglais, et là, va du jour maintenant. Parce que ce plant-là, il a à peu près 400 000 années. Normalement, ça, arbre-là, qu'on appelle un faubouille, Fenelia buxifolia, normalement, il y a un arbuste, il donne à peu près 1 mètre, 1,5 mètre, 5 sur plus grand hauteur. Regarde ça, plan là, comment il était. Il y a plusieurs mètres de haut, visiblement. Il y a plusieurs mètres, à peu près 4 à 5 mètres de haut. Et nous sommes bien fiers qu'il nous ait une colonie de 4 ou 5 arbres, même grandeur, même large ici. Et comment on peut expliquer qu'il nous pousse ça hauteur là? Avec on peut expliquer qu'il y a un arbre qui finit très très longtemps, oui, 300-400 000 années, il finit. Non, mais est-ce que ça a grandi? Peut-être le fait qu'il y a peut-être une VSM. Oui, oui, parce que là, quand il était bien protégé, il a une VSM quand il est trop grand la brise. Après, il développe un microclimat et quand il est développé, sain et sauf. Et il y en a plusieurs comme ça autour. Et il y en a 4 ou 5 comme ça là. Il y en a 4 ou 5 fernelia là. Donc, quoi une espèce assez rare qu'il y en a sur le monde? Oui. Cham, nous devons un joli tecoma, il y a un joli pied, mais c'est moi à se placer ici. Effectivement, tecoma, il y a un joli pied et il y a une certaine importance du bois dans le domaine de menuiserie. Mais en termes de conservation, c'est pas se place. Hein. Parce qu'ici, nous retrouvons, nous, surtout que à Laurier, nous avons un grand carreau de tecoma qui n'est pas une fine plantée. Qui ne régénère pas lui-même. Le fait qu'il ne régénère pas lui-même, c'est ça la conséquence, qu'il nous a perdu toute notre biodiversité native qui nous est à Maurice. Et si nous sommes capables de dire même que c'est la forêt qui nous est le monde, là, 60% est déjà fini comblé par le tocoma. Bon, il n'y a pas un problème ici, il y a un problème en fait à Maurice, plusieurs places, qui nous est une espèce envahissante. Si tu ne trouves pas une place côté pas bien soleil, là, tu trouves un petit flair rouge et jaune, ça, c'est une vieille fille. Quand on regarde cette région ici-là, on trouve que ce canopie est parce qu'il ne comble pas tout et c'est très près de la lumière qui peut descendre au sol. Et ça, effectivement, tout le monde plante, beaucoup d'espèces, de la graine, ils ont besoin de soleil comme un
premier critère pour ce carave germé. Et malheureusement, avec sa canopie de Tekoma là, beaucoup de la grève n'a pas gagné soleil. Deuxième affaire, vous trouvez qu'il y en a beaucoup de fait sec Tekoma qui ne couvert pas tout. Et ça, c'est un autre facteur encore qui peut empêcher le soleil toute la terre. Mais quand même, on trouve une grande fougère qui peut pousser. La seule raison, ce n'est pas le soleil. En fait, sa canopie qui peut créer avec sa feuille sec là et de l'humidité. C'est pour ça que la fougère peut pousser. Et si nous ne pas mettre la main dans très prochainement, peut-être ça 60%, ou 70% dans quelques années, du 80%, et finalement, toute une espèce, par exemple, il y a une sardia, une baume de l'île plate, et même un bois mapou, un bois bœuf, et même bien, bien rare qui trouve dans sa région-là, il peut disparaître. Hein. Dans 50 ans, dans 50 ans, le capable d'organiser un Tekoma partout. Tekoma vieillit, c'est ça que nous trouvons. Donc, l'important, entreprendre un travail pour... de conservation pour protéger justement l'espèce en danger qui nous est dans sa région-là. Et là, quand nous causons l'espèce en danger, nous causons, comme un camarade, prochainement, tu causes l'hélicrisme, l'immortel du monde, le fleur national, le troquetia. Et tout cela pour vous en protéger. Alors, comment nous faire pour nous contrôler sa population Tekoma là? Je pense que nous ne pouvons pas venir avec une tronçonneuse pour couper tout. Effectivement, si nous couplons avec une tronçonneuse pour tout ça, nous mettons la canopie. Qui nous veut faire? Nous veut donner place. Nous veut faire place pour une vieille fille. C'est ça, la graine qui vous pousse. Ce qui vous a fait, c'est un certain type de conservation, petit à petit, que nous mettons une petite plante, une plante un peu endémique, et nous faire une certaine façon qui nous fait comme un management weeding avec lui. Chaque trois mois, nous venons nous tirer une espèce envahissante. Jusqu'à ce qu'il y ait une plante rare là, je devrais essayer de développer une canopie et être capable de régénérer par eux-mêmes. Mais ça prend beaucoup de temps et il coûte vraiment effectivement une fortune pour faire ce travail. Quel est le souhait que tu as pour capable de préserver ça, tout ce qu'il y a ici? Bon, le souhait qu'il y a, c'est que nous avons envie de nous réussir dans nos missions. C'est-à-dire que demain, la génération future qui peut venir à Maurice, les enfants de ce pays-là, sont toujours capables de trouver cet écosystème unique-là, ici. Donc, pour nous réussir à cet objectif-là, nous souhaitons qu'ils nous viennent un peu plus souvent, faire un travail qui vaut la peine, c'est-à-dire que graduellement, parce qu'il y a un travail de longue haleine, ça, il n'est pas du jour au lendemain, petit à petit, nous sommes capables, comme si, retire cette plante exotique là et relaisse la nature établir cet écosystème original qui tient là. Voilà, c'est ça le souhait qui nous vient le plus ici. Un château peuplé d'oiseaux de mer qui se dresse pareil un caillou de lave, sans un arbre, sans une plante. Le chercheur d'or de Jean-Marie Le Clézio s'est trompé. Il y a de l'or sur cette montagne, mais il est vert et il est menacé. La mémoire n'a pas oublié les hommes, aux hommes de ne pas oublier la nature. Comment ne pas penser à ceux qui, il y a très longtemps, contemplaient ce spectacle saisissant? Ils pensaient peut-être à leur famille, à leur terre d'origine, à un retour éventuel. En tout cas, d'ici, on ne peut que penser à une chose, à la dureté de la vie. Et rester admiratif devant ces hommes qui, à force de leurs poignets seuls, ont grimpé jusqu'à ce sommet pour donner un autre sens au mot « liberté ».